copine de bois, la femme bâtarde de la toile. Papi, tous les gros là, tu sais, moi je t'ai toujours dit, toi tu es un ingrat, tu es un opportuniste, tu veux marcher sur la tête des gens pour avancer. Dans la vie là, c'est pas comme ça. À chaque fois tu tacles la fille là, tcholeka, tcholeka. À chaque fois tu viens la tacler, et après tu vas venir t'asseoir avec tes narines ouvertes, là, quelque temps tu t'amuses. Avec une femme déjà, idiot, imbécile d'abord, mais. Imbécile d'abord, sale chien. Toi, tu es le plus bâtard de la toile ici. T'as compris? Tu es le plus bâtard de la toile ici. Toi, tu prends ces chansons, tu prends ces chansons, tu fais comme ça. Hein? Tu penses que ces chansons, tu chantes comme ça? Idiot là. Tu peux te comparer à maman Missara? Quand elle a commencé à chanter, tu as les cas là. Hein? C'est Dieu qui est fort là. En ce moment là même là, tu te promenais avec Silip dans le quartier là-bas. Ce qui se passe en mode Bamsara, c'est entre les artistes en l'air. Il y a mon déjà, tu n'es pas un artiste ici. D'elle, et puis tes abonnés moutons là sont en train de te moquer d'elle. Taisez-vous dans cette histoire, ça ne vous regarde pas. C'est un collègue d'artiste. Toi, tu n'es pas un collègue. Tu n'es pas un collègue ici. Tu n'es pas le collègue de Baba Amissara. Toi, tu es un opportuniste. Toi, tu es un gros là. Toi, tu es un chien. Toi, que ton père t'a pas reconnu là. Toi, tu es comme ça. Imbécile là. Que artiste, artiste, entre nous artistes. Quand tu t'apprenais à tirer pour le sous-temps, l'imbécile, tu étais artiste. Comment tu as vu? J'ai pris ton affaire tout de suite là. J'ai chargé en 2 minutes. Tu as fait direct 4000 personnes connectées. Oh, la semaine passée, tu faisais direct, tu étais à 215 personnes. Vous avez vu? Vous avez vu? Parce que lui, il est venu parler sur Bamba Amissara là. Bamba Amissara s'est mis en direct pour lui dire c'est bête. 4000 vues là, ça l'amène où? Idiot, toujours en train de se penser que c'est lui qui fait les gens. Tu penses que les gens, c'est ta maman tu fais, hein? C'est chocolat Brigitte tu fais personne ici, idiot. C'est chocolat Brigitte qui a oublié de s'accrocher à ta minable Starmania là pour se faire connaître. Depuis Fatraba qui est en train de faire cinéma ici, qui la connaît, qui la calcule même. Les Ivoiriens la multiplient par zéro. C'est à cause de toi un peu là, et puis on la voit, toi tu n'es rien. C'est ta maman qui va s'accrocher à toi et puis voilà, c'est elle qui fait ça. T'as compris? Imbécile, sale chien, bâtard de ta race. C'est moi qui dis ça. Donc quand la lumière d'Apoudjou National vient sur ta vie, tu guides dans l'obscurité pour atterrir à la lumière. C'est comme ça. J'ai pas dit que tu es dans les ténèbres. Mais c'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ce que tu veux dire. Toujours en train de rabaisser ses camarades pour vouloir avancer. Tu penses que Dieu aime ça? Et puis ta maman elle est assise là-bas. Est-ce qu'elle narine là? Elle parle pas. Est-ce qu'elle fait les loulous pour ça? Elle peut pas t'interpeller pour dire que ce que tu fais là, faut laisser. Elle peut pas. Si c'est pour venir faire les loulous pour là, pour lancer les piques aux gens, les premières, on va venir s'attaquer à elle maintenant. Tu as ouvert tes narines maintenant, venir t'asseoir pour dire qu'on s'attaque à ta maman. Elle ne voit pas ce que tu es en train de faire la femme de quelqu'un. Baba Amissara, elle n'est pas une mère. Qu'est-ce qu'il y a même? Il y a quoi? C'est juste en parenthèse, quoi. Sinon, je n'ai rien contre toi. C'est pour te taquiner. Faut pas prendre ça mal. La preuve en est, j'ai mis lien de ta musique. On va écouter. T'as bien regardé. C'est pour la rabaisser, même quoi. Que la preuve en est, j'ai mis le lien. Sans elle là, sa musique va où ça doit aller. Sans toi là, pardon. Sans toi là, sa musique va où ça doit aller. T'as compris? Sans toi, sa musique va où ça doit aller. Son mari est promoteur, non? Son mari fait sa publicité au calme. T'as compris? Elle t'a rien demandé. Elle t'a rien demandé. Elle dit de la laisser tranquille. Et il faut la laisser tranquille aussi. Chien va. Imbécile. C'est moi qui dis ça. Quand elle fait direct, il a mis ta chanson, il a montré le clip, tout ça. Promotion, ça, la maman, à la base, c'est 1 million. Il y a un modé. C'est les gens qui ne connaissent pas les places qui vont toi te donner 1 million pour que tu fasses les promotions. Imbécile comme ça, là. Chien va. On ne va pas aller voir Kérosène. On ne va pas aller voir Serge Binon. On ne va pas aller voir mon Mimi. Hein. On va pas aller voir tous ces grands artistes là, les bébés Philippe là. Hein. On va pas aller les voir. C'est toi un farfelu comme ça, les José, on va pas aller les voir. Toi un farfelu comme ça là, un chien galeux comme toi, c'est toi, on va venir te voir pour te donner 1 million pour faire promotion de musique. Tu es malade, hein. Tu es malade vraiment. À la base, demande aux autres artistes qui viennent chez moi. C'est les artistes qui connaissent pas les places qui vont chez toi. Pour faire ça, prends mon direct, venez m'asseoir. Écoutez ta chanson chantée là, c'est 1 million. C'est les artistes qui ne connaissent pas les places là qui vont écouter voix.
que tu te rappelles du passé. En fait, de loin. Imbécile. Pour laquelle même la personne même tu es venu t'asseoir pour rabaisser Bama Misra ici, on a vu là. Vital. Tu parles à Vital. T'es pas Vital là, tu es venu la rabaisser ici. Hein? C'est pas toi. Imbécile, c'est quoi le genre pour avoir un peu de lumière et puis après il va venir te piétiner. C'est vous qui lui donnez. C'est vous là-haut. C'est vous. Pour ton événement ici. Et comment s'appelle ça? Vital s'est déplacé, venu t'honorer ici. Mais tu n'as pas manqué parce qu'elle a partagé la vidéo de Camille Makoso. Tu t'es levé ici. Tu l'as jeté à la vague du populaire. Tes imbéciles là sont sortis pour la rabaisser, pour la manquer du respect ici. Un chien comme ça. C'est pas pour elle que tu es venu sortir. Tu es sorti pour venir rabaisser Bama Misara. Regardez-moi un imbécile, un gras comme ça. Il oublie très vite. Chien. C'est pas ta première fois. Imbécile, c'est pas ta première fois. Chien. C'est pas ta première fois. Affaire de Jonathan Morrison là, c'est avec Suleiman Kamaraté, c'est pas Bamba Misara. C'est Suleiman Kamaraté qui dit que c'est un menteur. Et puis votre Morrison là, c'est un menteur, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui vous dis ça, votre Morrison là, c'est un menteur, c'est un VI. Moi j'ai toujours entendu Choleka, Choleka, Choleka. Chez moi c'était un cantique des chantres Ibo, genre les chantres Ghanéens là. Wallahi que l'enfant là se déjà. C'est un yambo tiré. Je comprends pourquoi ton papa t'a. Quand j'attends un enfant de lui seulement, il a tchengé. Je comprends. Imbécile là. Tu n'as pas reçu d'éducation. Voilà pourquoi tu t'en prends aux dignes femmes qui sont tranquillement dans leur foyer qui demandent rien. Chien va. Tu penses que tu sais mieux chanter que Bamba Misara? Tu penses que toi tu peux mieux chanter que Bamba Misara? Idiot que tu sois. Gros bête. De toute façon, tu es gros, c'est comme ça, tu es bête aussi. Comment tu peux venir rabaisser femme de quelqu'un comme ça? Tous les jours, tu es le cas. Hein? Imbécile là. Tu vas t'amuser. Chanson de lui, tu m'as dit sel. Poisson, crevette, accompagné d'escargot, viande de bouche. Mais celle de là, j'ai goûté sauce là, il y a dame. Il y a tout parlé. Elle dit, c'est ta nouvelle femme qui t'a pris pour envoyer une troisième femme là. C'est elle qui a fait sauce là. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la sauce? On nous dit, le vieux ne pas parler. Or, dans la sauce, là, il y a viande de bouche, il y a escargot, il y a crevette, il y a poisson. Il y a tous les animaux. Prévenu des chansons que tu as fait là. Ça n'a qu'à prendre. Il y a qui, c'est bon. Moi-même, je vais veiller à ce que ça arrive à 100 000 vues. 100 000 vues, là, c'est quoi? Elle n'a pas besoin de toi. Ici, elle est abonnée. Je dis, elle n'a pas besoin de toi pour que sa chanson ait atteint 100 000 vues. Elle n'a pas besoin de toi. Imbécile, tu finis de la rabaisser maintenant, tu vois qu'elle allait faire sa vidéo pour tes gars. Tu as venu t'asseoir maintenant pour faire semblant comme si toi tu plaisantais. Tu plaisantais pas, toujours tu sors sur elle. Imbécile, sale chien. Il voit aller regarder, vous êtes sa papa chez vous. Baba Misara va chanter, Biama 1, Biama 2, sauter, revenir, et puis vous n'êtes pas capable d'aller donner 100 000 vues. Poisson, crevette, accompagné d'escargot, viande de bouche. Mais celle du village a goûté ce sauce là, il y a dame. Qui a tout parlé? Vous avez vu. C'est la nouvelle femme qui a pris pour envoyer une troisième fois. Vous avez vu comment il se fout. Elle qui a fait sauce ça. Vous avez vu comment il se fout de la fille. Il a dit tout de suite là, les Ivoiriens n'ont qu'à soutenir sa musique. Et puis il dit qu'une chanson qu'on a mis vient de Bruxelles, tout dedans. Le chef du village ne peut pas manger la sauce là. On lui demande qui a préparé la sauce là. Malgré qu'il y a viande de bouche, il y a tout dedans. Ça là, il se fout pas de la fille comme ça. Pourquoi vous êtes un gars, vous êtes hypocrite comme ça? Mais les gars, c'est qui est en train de lire sa chanson? Mais tu es venu, tu m'as attaqué, tu as attaqué ma graisse. J'ai insulté ma graisse. Tout le monde sait que je suis gros. Mais imbécile, tu as fait quoi? Elle s'est attaquée à ta graisse, qui pue de moi, je suis là. Tu as fait quoi? Elle s'est attaquée à ta tas de graisse là. Tu as fait quoi? Tu ferais mieux même d'aller couper ton estomac, bypass. Toi et ta maman, vous devez rentrer au bloc opératoire. Pourquoi on coupe une partie de votre estomac pour que vous mangez moins? Des tonnes de pomplemousse qui se suent comme ça, bête. On ne sait pas qui est mieux que qui. C'est moi qui dis ça à tes bancs. Un chien bâtard. Un enfant que son père n'a même pas reconnu. Tu vois, tu as venu t'asseoir pour dire que tu vas parler à des dignes enfants. Est-ce qu'il y a l'homme qui a le chiffre plus sur Internet, c'est que moi? Les gens sont sur ma vie, matin, midi, soir. C'est moi-même. Je suis sur ta vie, matin, midi, soir. Hé, Djaïnyavena. Dja, tu me vois. Dja, tu vois. Je suis sur ta vie, matin, midi, soir. Sachant point. C'est ça, tu as fait dans le passé. C'est ce que tu nous as enseigné. Oui, tu as fait dans le passé, tu t'as accroché sur la vie des gens ici. On peut en parler? Imbécile, sale chien.
il va répondre à n'importe qui. Eh, il est n'importe qui, il y a un mot de saracadé, tu te prends pour qui? Est-ce qu'il y a un n'importe qui que toi? Quelqu'un qui est gros bête, un gros ventre, un garçon. Femme même à gros ventre, on peut comprendre. Garçon a un gros ventre, t'as des graisses. Qui a éjaculation précoce, qui a kikinette. Hein? Éjaculation précoce, qui a kikinette. Toi, j'imagine ton odeur. Tu as même tonne de parfum sur toi. C'est pour quelques heures. Ton odeur te revient au galop. Oui. Ton odeur naturelle te revient. Oui, yaka. Quelqu'un qui transpire. Remarquez, les gens qui transpirent beaucoup là, c'est des gens qui puent. C'est moi qui vous dis ça. N'importe quoi. Tes croix là, tu ne les prends pas pour répondre à tes amis garçons. Toujours en train de t'attaquer aux femmes. Et puis ta maman va s'asseoir là-bas pour dire que ça aussi, je ne suis pas chocolat, Brigitte. Tu n'es rien, non. Ne les cafons. Tu n'es rien. Vous êtes en train de vous. Vous allez vous profiter de la vie des gens. Ta manière à deux balles de ton fils là, c'est ça qui a fait qu'on te connaît. C'est tout. Sinon, toi qui as fait quel bon film, tu fais quoi? Tu as fait Fofa Fâché ici jusqu'à. Qui te connaît? Qui te connaît? Tu es assis là-bas avec tes narines là. Faut pas interpeller ton fils bâtard là. Faut pas l'interpeller. Quand il s'assoit, il manque de respect à la femme d'autrui là. Il n'a pas de respect pour les gens là. Là, tu parles pas. Hein? Là, tu parles pas. Quand on va s'attaquer à toi maintenant, on va voir les bosses à la con.